Bienvenue à Cogito, l'émission qui fait la lumière sur la recherche et la création étudiante à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous mesurons le stress des maires Amble de Fontaine avec Sergio Cortez Guillot. Nous découvrons la restauration des tourbières en évaluant les variétés d'arthropodes grâce à André-Philippe Drapeau-Picard. Et Julien Chamberlain tente d'améliorer le processus de filtration du lait. Bonjour, je m'appelle Sergio Cortez Guillot et j'étudie à la Faculté de sciences et de génie dans le département de biologie. Mes travaux portent sur l'amble de Fontaine, qui est la truite mouchetée, son nom le plus commun. C'est un type de salmonidé. C'est un poisson d'importance économique très grande au Canada et au Québec parce qu'on s'en sert beaucoup pour la pêche sportive. Donc, ces poissons-là sont cultivés en station d'aquaculture, ensuite sont relâchés en nature et sont pêchés par tous les gens qui apprécient pêcher ce poisson. Plus précisément, mes recherches se portent sur les effets maternels. Les effets maternels, ce que c'est tout ce qui affecte le phénotype de la mère qui a une influence sur le phénotype du rejeton. Le phénotype, en fait, c'est tout ce qu'on peut observer chez un organisme, chez un individu. La grandeur, la grosseur, la couleur des yeux, la couleur de la peau, même les molécules sécrétées dans le sang. Donc, tout ce qui est observable ou quantifiable chez un individu, ça peut être considéré comme le phénotype. Donc, ce que je veux voir, c'est est-ce que le stress maternel va avoir une influence sur le comportement, sur, exemple, l'apprentissage, la témérité, l'exploration des jeunes? Et est-ce que ça va avoir une influence sur leur survie en milieu naturel? Parce que j'ai choisi l'amble de Fontaine, étant donné que c'est un poisson très important dans l'aquaculture, et qu'en ce moment, dans les statistiques, ce qu'on remarque, c'est qu'à peu près 5 % des poissons qui sont remis en liberté après avoir été élevés en aquaculture, qui survivent jusqu'à l'âge adulte. Sur plusieurs milliers de tonnes de poissons inséminés dans des lacs, on en retrouve seulement 5 % à l'âge adulte. Donc, c'est assez désastreux. On peut poser l'hypothèse que c'est en fait le stress que les mères subissent dans les stations d'aquaculture qui reprogramme le comportement des jeunes et donc les jeunes sont moins aptes à survivre en nature. Les poissons, c'est des organismes fascinants. On a juste à penser aux cichlidés d'Afrique. Ils ont des structures sociales très complexes dans lesquelles tu as, exemple, un mâle et une femelle qui se reproduisent en colonie et tu as plein de petits aidants qui vont nettoyer les œufs et défendre le territoire. Les poissons sont aussi fascinants parce que c'est le groupe de vertébrés le plus diversifié au monde. Donc, il y a beaucoup d'espèces dans ce groupe d'animaux-là. Une autre chose qui est vraiment très intéressante chez les poissons, c'est qu'ils produisent des œufs et ils les produisent en très grande quantité. Donc, toute recherche qui porte sur la procréation ou sur les effets que pourrait avoir l'environnement de la mère ou du père sur les rejetons, ça devient un modèle très efficace. Dans les stations d'aquaculture, il y a beaucoup d'espèces de poissons et même d'une seule espèce, les nombres de poissons sont très élevés. Souvent, on va vouloir les marquer, par exemple, pour les différencier entre familles, pour, par exemple, suivre une certaine lignée, se rendre compte que telle mère avec tel père ont produit des jeunes qui avaient beaucoup de déformations ou qui ne survivent pas jusqu'à un certain âge. Donc, on les marque, par exemple, en coupant des nageoires. On les pèse très fréquemment pour vérifier que leur poids est normal, que leur croissance va selon un rythme prévu, qu'ils vont être prêts à un certain moment de l'année pour être mis en liberté. Donc, ce n'est pas des poissons qui sont laissés à eux-mêmes, tranquilles. Ils sont souvent vérifiés, ils sont souvent manipulés. Et juste s'approcher des bassins pour les nourrir, leur lancer des petites granules de moulées pour les nourrir, c'est stressant. Généralement, dans l'étude du stress maternel, ce qui va se faire, c'est un type de stress avec un traitement contrôle. Je m'explique. Ça veut dire que, par exemple, on va prendre des mères et on va les sortir de l'eau pendant 30 secondes par jour pour induire un stress. Et l'autre groupe de mères ne sera pas stressé. Donc, c'est très parlant comme expérience, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur les mécanismes ou sur la différence qu'il y a entre les types de stress sur le comportement des rejetons. Donc, je fais quelque chose qui n'a pas encore été essayé jusqu'à maintenant. Je fais trois types de stress différents. Un des types de stress, c'est, comme je viens de le dire, on sort les mères 30 secondes par semaine de l'eau, on les brasse un peu dans des filets et on les remet dans l'eau. Un autre traitement, c'est de mettre du cortisol pur, dilué dans de l'éthanol, sur leur nourriture et donc de leur donner à manger du cortisol. Le cortisol, qu'est-ce que c'est? Le cortisol, c'est la molécule du stress, on pourrait dire. Chez l'humain comme chez les poissons, c'est une molécule qui est sécrétée dans le sang pour que l'organisme puisse répondre à un stress. Chez nous, par exemple, quand on est stressé pour une présentation ou pour un examen ou peu importe, on sécrète du cortisol et ça aide l'organisme à revenir à un état d'équilibre. Le troisième traitement, c'est qu'on met du cortisol dans le liquide ovarien au moment où les œufs sont pondus et on les laisse baigner dans ce liquide-là pendant à peu près 3 heures. Donc, le cortisol va être absorbé par les œufs et il va avoir reprogrammation du phénotype du jeune.
Dans différentes études qui ont été faites récemment, on a montré chez les mammifères, chez les reptiles et même chez les poissons que le stress maternel avait des influences assez marquées sur non seulement la morphologie et la physiologie, donc les déformations ou la sécrétion de certaines molécules dans le sang, mais aussi sur le comportement. Les comportements qu'on a choisis, c'est la témérité, qui est donc le contraire de la timidité, à quel point un individu va être explorateur, va vouloir découvrir son environnement et va avoir peur des nouveaux environnements. On veut aussi mesurer la néophobie, qui est la peur à un nouvel objet. On mesure également l'apprentissage dans un labyrinthe. Donc, on construit un labyrinthe et on met le poisson à l'intérieur. On répète l'expérience sur plusieurs jours, voir combien de temps ça prend au petit poisson à se rendre du début à la fin du labyrinthe. Et là, on peut quantifier l'amélioration sur différents jours. Le poisson part dans la zone de départ et ensuite ça doit franchir les trois portes, qui sont des portes alternées, pour se rendre jusqu'à la fin du labyrinthe où il y a une récompense qui l'attend, dans ce cas-ci, une petite maison où il peut se réfugier. Ce qui est surprenant, généralement, on fait cette expérience-là avec de la nourriture au bout pour motiver le poisson à se rendre tout le temps au bout du labyrinthe. Mais les ombres de fontaine ne sont pas du tout intéressées par la nourriture parce qu'une fois qu'ils rentrent dans le labyrinthe, elles sont tellement stressées que ce qui est important pour elles, c'est de se cacher. Et finalement, on mesure aussi la mémoire. Donc, on leur laisse trois jours après l'entraînement, si on veut, dans le labyrinthe. On attend, on leur fait rien. Et trois jours ensuite, on reprend l'expérience du labyrinthe et on voit s'ils se rappellent de leur entraînement et s'ils peuvent encore compléter le labyrinthe avec succès. Pour vérifier si vraiment la femelle, la mère, répondait à un stress, donc si le fait de la sortir 30 secondes par semaine et la brosser un peu dans les filets, ça la stressait vraiment, et si elle a vraiment transféré le cortisol dans les œufs, on prend les œufs, on les broie et on extrait cette hormone qui est le cortisol pour la mesurer et pour comparer les niveaux de cortisol entre chaque traitement. Mais la partie que personnellement j'aime mieux de mon projet, c'est la partie mécanistique. C'est se demander comment est-ce que la mère va reprogrammer le comportement de ses rejetons au niveau moléculaire. Pour répondre à cette question-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les œufs, les mêmes qu'on a pris pour extraire le cortisol. Cette fois-ci, on les broie et on extrait l'ARN. L'ARN, c'est les molécules qui sont produites à partir de l'ADN. Donc, l'ADN, c'est le code génétique chez tous les organismes vivants. C'est comme un livre. L'ARN, c'est des copies, si on veut, de certains segments de ce livre-là. Et ces molécules d'ARN-là vont déterminer quelles protéines et quelles molécules vont être exprimées dans les œufs. Si on prend toutes les molécules d'ARN qui sont contenues dans les œufs et qu'on les compare entre les traitements, on peut vérifier quelles molécules pourraient être responsables de l'effet qu'on observe qui est dû au stress maternel sur le comportement. Le fait que le stress qu'on a induit aux mères n'a pas eu d'effet sur la morphologie ou sur le taux de croissance ou sur la survie des œufs, c'est un peu inquiétant dans le sens que peut-être que le stress qu'on a induit aux mères n'était pas suffisant. Mais en même temps, c'est un travail qui est très explorateur, c'est très nouveau et l'ombre de fontaine n'a pas été utilisée beaucoup pour le stress maternel. Donc, par exemple, juste pour déterminer les doses de cortisol qui étaient à administrer, il fallait se fier sur d'autres espèces et aller en bas de ces chiffres-là pour ne pas causer une mortalité trop grande. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'on a un petit effet sur l'apprentissage. Donc, les rejetons qui viennent d'une mère qui a mangé du cortisol apprennent moins bien que les individus d'une mère qui n'a pas mangé de cortisol. Ce que j'espère, c'est pouvoir apporter des réponses ou au moins pouvoir ouvrir la voie pour comprendre comment ça marche et pour voir s'il y a une différence entre les types de stress. Bonjour, je m'appelle André-Philippe Drapeau-Picard, je suis étudiant à la maîtrise en biologie végétale au département de phytologie de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Je travaille sur l'aménagement des mares dans une tourbière en restauration. J'essaie de voir s'il y a une combinaison de profondeur et de végétation autour de ces mares-là qui favorise le retour par les araignées d'une part, puis les dytiques qui sont des coléoptères aquatiques d'autre part, donc qui favorise le retour d'une diversité de ces animaux-là qu'on retrouve en milieu naturel. J'ai travaillé dans le Bas-Saint-Laurent. On a un site en restauration, une tourbière en restauration près de Rimouski, à Saint-Fabien précisément, juste à côté du parc du Bic. Pour pouvoir dire que ce que j'observe dans mon site de restauration se rapproche ou pas de ce qu'on retrouve en milieu naturel, ben je vais comparer
notre tourbière en restauration à 4 faines naturelles qui sont dans la même région que notre site expérimental. Les tourbières minérotrophes, ou faines, sont à la fois alimentées en eau par la pluie et par les eaux souterraines. Donc, ils ont aussi un apport de nutriments qui provient de la nappe phréatique. Tandis que les tourbières ombrotrophes, donc, qu'on appelle aussi les bogues, sont seulement alimentées par les eaux de pluie. Donc ça fait en sorte que la chimie de l'eau dans ces milieux-là est complètement différente, ce qui va avoir une influence sur les communautés végétales puis sur toute la faune qui l'habite. Les tourbières sont parmi les écosystèmes qui fournissent les plus grands services écologiques. Par service écologique, on entend une fonction de l'écosystème, quelque chose que l'écosystème fait qui est profitable à l'humain. Les principaux services qu'elles nous rendent, il y a l'accumulation de carbone, donc la séquestration de carbone atmosphérique. Elles vont prendre du CO2 de l'atmosphère et puis l'accumuler sous forme de tourbe, justement. On peut penser aussi à la fonction de filtration des eaux. Un autre grand service aussi qu'elles nous rendent, c'est la régulation des crues. Des endroits où il y a beaucoup de milieux humides, par exemple, on peut s'attendre à être mieux protégé par les inondations que là où il n'y en aurait pas. Les tourbières ou les milieux humides en général sont les écosystèmes qui ont la plus grande valeur économique qui découle de ces services écologiques-là. Au Québec, on a beaucoup de tourbières, ce qui a mené à un développement de l'industrie de la tourbe. Il commence par baisser la nappe phréatique, donc drainer la tourbière. Ça leur permet de s'avancer dessus pour pas caler avec leur équipement, puis d'aspirer la tourbe qui a été asséchée. Ce qu'ils font avec la tourbe, c'est qu'ils la vendent à des compagnies d'horticulture, parce que c'est un excellent substrat de culture, la tourbe, étant donné sa capacité de rétention d'eau et sa porosité. Les tourbières abandonnées deviennent des aires écologiques. Donc, il n'y a pratiquement pas de vie qui arrive à se maintenir dans ces endroits-là. Puis, ce qu'on vise par la restauration, c'est le retour de la fonction accumulatrice de carbone. Donc, on veut que la tourbière recommence à accumuler du carbone sous forme de tourbe. Dans la majorité des tourbières, ce qu'il y a comme plante qui accumule la tourbe, c'est la sphaigne. La sphaigne, c'est une mousse qui fait des tapis qui couvrent le sol. Et ce qu'elle a la particularité de pousser dans sa partie supérieure constamment, indéfiniment, puis de mourir par le bas. Puis c'est la partie du bas qui va se transformer en tourbe, donc qui va être partiellement décomposé. Les étapes de restauration, il faut les faire le plus vite possible. Donc, en termes de semaines, idéalement, maximum en termes de mois. Parce que la première étape, c'est d'aller chercher le matériel végétal dans une tourbière naturelle. Donc, le plus longtemps il reste entreposé ou le plus longtemps il reste dans des conditions inhospitalières au développement de ce qu'on veut développer, finalement, ben la probabilité de germination diminue avec le temps. Fait que c'est pour ça qu'il faut que ce soit fait le plus vite possible. En environ 7 à 10 ans, on a un retour d'une couverture de végétation qui fait 100%, donc un couvert total de végétation. Bon, au Québec, oui, on a beaucoup de tourbières. On parle d'à peu près 161 000 km², ce qui représente un dixième du territoire. Le but de la création des mares, c'est d'augmenter la biodiversité générale dans les tourbières. Oui, on vise un retour de l'accumulation de tourbes, mais on vise aussi un retour d'une biodiversité. Puis c'est là que mon projet entre en compte. Parce que même si des mares, c'est recommandé d'en creuser dans le guide de restauration des tourbières, il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites pour savoir comment les aménager. Moi, précisément, je me suis intéressé aux ditiques, qui sont des coléoptères aquatiques, puis aux araignées. Puis pourquoi avoir choisi ces groupes-là? C'est pour deux raisons principales. La première, c'est que ces deux groupes-là, ou ces deux taxons-là, sont très diversifiés au Québec. Étymologiquement, arthropode, ça réfère à arthros pour articulation. T'sais, vous savez, arthrite, là, par exemple. Puis pod pour podos, c'est deux mots grecs. Podos, ça veut dire patte. Fait que patte articulée. J'ai utilisé deux méthodes d'échantillonnage.
Pour les araignées, j'ai utilisé des pièges fausses, qui sont des récipients qu'on enfouit dans le sol, puis on s'arrange pour que l'ouverture du récipient soit à égalité avec le sol. Puis ça permet de capturer tout ce qui se promène à la surface de notre tourbière. Pour ce qui est des dytiques, maintenant, j'ai utilisé des NAS, qui sont cet instrument-là ici. Donc, vous voyez, à chaque extrémité, il y a une ouverture par laquelle les dytiques entrent. Puis, il reste pris là-dedans. J'ai identifié plus de 80 espèces d'araignées, puis à peu près une trentaine d'espèces de dytiques, en milieu restauré et naturel confondu. Dans mon site en restauration, j'ai un total de 21 mares qui ont été creusées en 2009, puis différents types de végétation qui étaient installés. Puis j'en ai aussi 16 en milieu naturel, donc 4 par tourbière naturelle. Dans les tourbières naturelles, les mares étaient naturelles, mais j'ai échantillonné araignées et dytiques, puis j'ai caractérisé la végétation naturelle pour voir qu'est-ce qu'on retrouve naturellement dans les tourbières, puis voir si ça ressemble au moins un peu à ce qu'on a en milieu restauré. Avec les résultats que je vais obtenir, je souhaite faire des recommandations à ceux qui restaurent les tourbières pour s'assurer que la façon dont ils créent les mares favorise comme on le souhaite le retour des arthropodes, puis des insectes, puis des araignées là, qu'on a dans les tourbières naturelles. Mes recherches devraient permettre de mieux comprendre les mécanismes de recolonisation des milieux perturbés pour les araignées puis les dytiques, tout en permettant de mieux comprendre les préférences écologiques des espèces que j'ai trouvées. Bonjour, mon nom est Julien Chamberlain, j'étudie à la maîtrise en sciences des aliments pour la faculté d'agriculture et d'alimentation. L'industrie laitière, c'est extrêmement gros, plus qu'on le pense. Au Québec, on produit 33 % du lait au Canada, on produit la moitié des fromages fins. Puis si on regarde dans le marché québécois, en 2012, en 2013, les produits laitiers représentaient la plus grande part de marché des produits bioalimentaires du Québec. Pourquoi les membranes de filtration sont si importantes dans l'industrie? C'est une technologie qui est vraiment méconnue du grand public, mais pourtant, les technologies de filtration, c'est rendu des opérations qui sont très courantes dans les fromageries parce qu'elles sont peu coûteuses en énergie puis elles permettent de valoriser le lait jusqu'à la fin dans toutes ses composantes. Si on prend l'exemple du fromage, quand on fabrique un fromage avec 10 kg de lait, on peut seulement faire 1 kg de fromage. Autrefois, les 9 kg qui restaient sous forme de lactosérum ou de petit lait, comme on entend souvent, étaient carrément rejetés dans l'environnement. Donc, on ne peut pas le jeter aujourd'hui directement dans l'environnement. On va prendre les procédés de filtration qui vont nous permettre de valoriser toutes les protéines qui restent, tous les minéraux, le lactose, grâce à des filtres qui sont tellement fins, dont les pores sont 1000 fois plus petits que l'épaisseur d'une feuille de papier. Donc, on est loin du filtre à café, mais le principe reste le même. C'est que les protéines, par exemple, sont beaucoup plus grosses que les autres constituants du lactosérum. Donc, avec des filtres qui sont spécifiques, qu'on arrive à les concentrer. Puis ces protéines-là ont révolutionné le monde de l'alimentation pour les sportifs notamment, car ces protéines-là, avec leur structure, sont très facilement digestibles et fournissent une quantité d'acides aminés qui sont nécessaires à la formation des muscles. La filtration n'est pas une technologie récente. Je n'essaie pas de réinventer la roue dans mon projet. Finalement, on l'utilise depuis une quinzaine d'années certainement. Finalement, le lait est un aliment qui est très riche en eau. Pour faciliter sa conservation, on va retirer l'eau pour faire du fromage. Donc, quand on fait du fromage, on fait coaguler les protéines du lait. Par toutes sortes de processus d'égouttage, de brassage, de pressage, on arrive à retirer l'eau du lait sous forme de lactosérum. Puis c'est comme ça qu'on obtient nos fromages. Ce qui fait qu'avec un même ingrédient qui est le lait, on peut faire différents fromages. D'une part, il y a la façon de cailler le lait. On peut acidifier le lait ou on peut le produire avec des enzymes, avec la présure. Deuxième chose, c'est que tous les fromages ont une teneur en humidité qui est différente. Donc, on part du même lait qu'on fait cailler, puis ensuite, avec des mécanismes de brassage, de cuisson, de pressage, on va arriver à extraire plus ou moins l'humidité d'un fromage pour avoir les fromages comme on les a aujourd'hui. Il y en a qu'on peut affiner plus longtemps, moins longtemps, avec des fleurs d'affinage différentes. Bien, il y a des fromages qui ont une teneur en humidité qui est très élevée. Ceux-là ne pourront pas être affinés longtemps. Toutes les réactions se passent beaucoup trop vite à l'intérieur. Les micro-organismes se croissent à une vitesse fulgurante
Ça fait que ces fromages-là, il faut les consommer rapidement. D'autres fromages qui ont beaucoup moins d'humidité, les réactions enzymatiques sont beaucoup plus tranquillement. Donc ces fromages-là, on va dire que c'est des fromages qui sont aptes à l'affinage. Par exemple, un cheddar, on peut le prendre dans un sac sous vide, le laisser dans une salle d'affinage pour l'affiner 2, 3, 4 ans même. Il y a d'autres fromages, donc on va appliquer plus de soins, on va les brosser avec du sel, on va s'assurer de contrôler les micro-organismes qui poussent à sa surface. C'est là qu'on dit, c'est les croûtes lavées. Le lactosérum est riche en protéines, en lactose, en minéraux. Il ne faut pas oublier l'énorme quantité d'eau qu'il contient aussi. Donc avec les membranes, on pourrait par exemple faire l'osmose inverse sur le lactosérum, générer de l'eau qu'on pourrait utiliser ensuite pour faire les lavages en usine. Les procédés de filtration ont vraiment révolutionné l'industrie laitière car ils ont permis d'améliorer sa productivité d'une part, mais surtout d'améliorer la valorisation de ses sous-produits. Parce que c'est une technologie qui est peu coûteuse en énergie d'abord, pas nécessairement coûteuse en termes d'équipement. C'est certain, avec tous les avantages du procédé de filtration, on pourrait croire que la technologie est parfaite. Mais si elle était parfaite, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc ça se bouche facilement. Ces colmatages-là, on peut bien sûr les enlever avec des nettoyants féroces, mais c'est très long. Puis en plus, ça affecte l'intégrité des membranes. Donc ça mène à des changements qui sont très coûteux pour l'industrie. Si on compte toutes les séquences de nettoyage, les coûts de remplacement, ça pourrait représenter jusqu'à 50 % des coûts opérationnels pour les industriels. Donc c'est énorme, il y a quelque chose à faire pour améliorer l'efficacité des lavages qui vont moins affecter l'intégrité des membranes. C'est la membrane qui coûte très cher, puis en même temps, c'est tellement de temps qui est investi pour les nettoyer. Finalement, les procédés sont échelonnés sur une journée. Dans la plupart des usines, on va filtrer jusqu'à 15-20 heures par jour. Le reste de la journée, qui est environ 4 heures, va servir au nettoyage de la membrane. Naturellement, quand on filtre des fluides laitiers, on pourrait penser que c'est les constituants du lait qui vont colmater. On pense aux protéines, à la matière grasse, aux minéraux, au sucre. Mais dans mon équipe, on pense qu'il faudrait porter une attention particulière aux bactéries. C'est que les bactéries, avec leurs parois, peuvent adhérer naturellement aux membranes. Elles se retrouvent dans un milieu riche en nutriments, je parlais des protéines. Puis en plus, elles ont la capacité de former des biofilms. Puis dans un biofilm, si l'union fait la force, on a des groupes de bactéries qui deviennent encore plus résistantes, qui résistent aux procédures de nettoyage. Un biofilm, c'est un groupe de bactéries. Dans l'environnement, les bactéries n'habitent pas seules, elles cohabitent, elles sont en groupe. Puis en fait, c'est la forme de vie la plus courante sur Terre. Les biofilms, on les retrouve dans le fond des cafetières à la maison. Parfois, c'est gluant au fond d'une surface. Mais la plupart du temps, c'est un biofilm qui s'est formé, qui ont formé des molécules gluantes pour mieux adhérer aux surfaces. Ça leur permet de mieux résister à leur environnement. Dans les systèmes de filtration, sous forme de biofilms, leur retrait est d'autant plus difficile que les protéines parce que les biofilms se multiplient, deviennent toujours de plus en plus gros puis s'adaptent à leur environnement. Mon rôle dans ce projet-là est de comprendre d'une part comment se colmatent les membranes, mais surtout de savoir comment les biofilms se développent dans les membranes de filtration. Savoir est-ce qu'il y a des espèces qui vont accentuer le problème, est-ce qu'il y a des espèces qui adhèrent plus facilement que d'autres, est-ce qu'il y a des paramètres de filtration comme la température qui pourraient accentuer ou limiter le problème. Donc mon rôle là-dedans, c'est de réaliser les filtrations, d'extraire tout l'ADN qu'il y a sur les membranes, ensuite de séquencer cet ADN-là pour identifier spécifiquement les bactéries qui s'accrochent sur mes membranes. À long terme, les objectifs sont nombreux. D'une part, on aimerait prouver qu'il y a moyen de limiter la formation des biofilms pour ultimement faciliter le nettoyage des membranes et allonger leur durée de vie en même temps. Ma recherche est quand même très originale, donc c'est certain que je réinvente pas la roue, en ce sens que les biofilms ont déjà été étudiés dans les usines de désalinisation d'eau de mer, de traitement des eaux usées. Mais c'est la première fois qu'on les étudie comme on le fait dans l'industrie laitière. On utilise des techniques d'identification des bactéries qui sont très récentes. L'industrie laitière n'est pas la plus forte au monde au Québec. Par contre, on a des excellents programmes de recherche pour réaliser toutes ces recherches-là. Chaque transformateur laitier qui achète du lait cotise dans un fonds qui sert à faire de la recherche. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mon projet s'inscrit dans une chaire de recherche industrielle en éco-efficience des procédés de transformation du lait qui est mise avec les procédés membranaires à améliorer l'efficacité énergétique des industriels, à limiter leur rejet en même temps dans l'environnement. Tout le monde est gagnant, d'une part la société qui vit dans un environnement où les industriels sont plus respectueux de leur environnement, mais aussi les industriels qui vont pouvoir réduire leurs coûts d'opération et en même temps améliorer l'efficacité de leurs procédés.
Au cours de mes études en sciences des aliments, j'ai eu la chance de réaliser de nombreux stages en fromagerie, d'assister à des formations spécialisées. Puis avec toutes ces connaissances-là que j'ai acquises avec le temps, j'ai décidé de développer mon entreprise de consultation, de me rendre dans les fromageries du Québec pour régler des problèmes de fabrication ou d'affinage. Donc pour l'avenir, je pense que toutes les portes sont ouvertes. Dans notre programme en sciences des aliments, on a un taux de placement qui est presque de l'ordre de 100 %. D'autant plus, je pense que l'industrie laitière a un grand besoin de main-d'œuvre hautement qualifiée. Je suis dans l'agroalimentaire parce que c'est un monde qui me fascine. On a le grand défi de nourrir le monde. Puis en plus, par l'alimentation, bien, je pense que c'est la vraie faculté de la santé. Les médecins vont chercher à guérir les maladies, à les étudier, tandis que nous, on va chercher à les prévenir par une alimentation qui est saine.